Bonsoir, bienvenue. Ça vous regarde en direct. Notre grand témoin ce soir est l'un des meilleurs spécialistes de la géopolitique contemporaine. Bonsoir Thomas Gomard. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous, historien, directeur de l'IFRI. Vous signez chez Taillandier les ambitions inavouées, ce que préparent les grandes puissances, Chine, Russie, Iran, Inde aussi, États-Unis. Vous inversez la perspective en vous plaçant du point de vue de nos adversaires ou de nos partenaires. On va en parler. Et ça nous permet d'en finir avec un biais bien français, le nombrilisme stratégique. Ça mérite une explication. On en parle ensemble tout à l'heure. Mais on commence ce soir avec les retraites, bien sûr. Ce mardi noir pour l'exécutif, les syndicats jouaient leur va-tout sur la réforme. Le pays a fonctionné au ralenti un peu partout en France. On va y revenir. C'était la sixième journée d'action, très suivie à Paris. On va faire le point sur les chiffres. Alors, est-on entré dans une nouvelle phase du conflit, le gouvernement peut-il rester sourd à la rue? Grand débat dans un instant avec nos invités sur ce plateau avant de retrouver nos affranchis pour leur parti pris. Et puis Bourbon Express, une histoire de bras d'honneur ce soir à l'Assemblée. Vous verrez tout cela. Ça vous regarde, c'est parti. Vous me suivez Thomas Gomard? Avec plaisir. On y va. Ils avaient promis un pays à l'arrêt avec des cortèges partout en France. On va faire le point dans le détail sur les manifestations et les secteurs en grève. Transport, éducation, EDF, raffinerie, routiers, lycéens. Les syndicats ont clairement changé de braquet en décidant de durcir le mouvement. Bonsoir Antoine Armand. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance de Haute-Savoie. Vous nous direz quel bilan vous tirez de cette nouvelle manifestation, démonstration de force. Bonsoir Elsa Faucillon. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes députée communiste des Hauts-de-Seine dans le cortège parisien aujourd'hui. Évidemment. Tout comme vous, j'imagine, Fabienne Tatteau. Oui, bonsoir. Vous en sortez à peine, secrétaire nationale des ingénieurs cadres et techniciens de la CGT. Enfin, bonsoir Pierre Ferracci. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous présidez le groupe Alpha. C'est un groupe d'expertise et de conseil aux entreprises et vous êtes un grand connaisseur du monde syndical. Thomas Gomard, c'est un sujet bien français que nos retraites, mais je suis sûre qu'il dépasse aussi nos frontières et votre regard nous intéresse, n'hésitez pas à intervenir. Alors, avant de débattre, on plante le décor, comme chaque soir, avec le billet de Stéphane Blakowski. Combien, où et qui a défilé contre la réforme aujourd'hui? Le chrono de Blako, c'est parti. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Myriam. Et bonsoir, je me retourne à toutes et tous, comme chaque soir, pour vous accueillir. Alors, les chiffres, 700 000 personnes à Paris selon la CGT, 81 000 selon le ministère de l'Intérieur. La CGT et la police ne sont pas d'accord sur les chiffres, ça me surprend énormément. En tout cas, côté syndicat, ce que je peux vous dire, c'est que dès ce midi, avant même le départ de la manifestation parisienne, du cortège parisien, on parlait d'un succès incontestable, plus 20% en gros de mobilisation, disait Laurent Berger. On n'a pas les chiffres nationaux, mais dans les préfectures, on confirme que dans pas mal de villes de province, la mobilisation a un peu ou beaucoup augmenté. Donc, satisfaction à la CFDT, notamment. Cette colère, la colère sociale, la colère du monde du travail face à une réforme injuste, elle est toujours aussi puissante et elle se manifeste aujourd'hui de façon encore plus puissante dans la rue. Moi, je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, on a une mobilisation qui est historique au regard des 40 ou 50 dernières années en termes de nombre de personnes mobilisées. Donc pour la mobilisation, c'est gagné, mais je vous rappelle que le mot d'ordre de cette sixième journée de mobilisation, c'était le titre du communiqué de l'intersyndicale. Regardez sous les logos, mettons la France à l'arrêt. Bon, si on prend l'expression au pied de la lettre, la France n'était pas totalement à l'arrêt aujourd'hui. Il y a eu un bon coup de frein, c'est sûr, sur l'activité économique. On peut regarder les chiffres officiels, qui bien sûr vont être contestés, mais là, c'est en noir la manifestation du 19 janvier, donc la première mobilisation, puis en rouge celle d'aujourd'hui. Vous voyez que même si c'est très serré, officiellement, le taux de grévistes est un peu en baisse. Même si on conteste les chiffres, ce que reconnaissent les syndicats, c'est que c'est malgré tout avec l'inflation en ce moment assez difficile pour une partie des salariés de se sacrifier un jour de salaire, encore plus plusieurs jours de salaire. Donc c'est évidemment pas facile de mettre la France à l'arrêt si les salariés ne sont pas bien décidés à faire grève. Cela dit, il y a quand même de nouvelles catégories qui sont entrées dans le mouvement et ça peut changer les choses. Là, je vous ai mis une photo un petit peu pixelisée, mais c'est manif à Charles de Gaulle pour dire que les aéroports étaient en grève. 20 à 30% de vols annulés sur l'ensemble de la France, les éboueurs à Paris. Les routiers ont commencé à se mobiliser. Alors ça, quand les routiers commencent à se mobiliser, ça commence à sentir le gros coup de frein. Si en plus on ajoute les grèves reconductibles à EDF, à la SNCF, et puis alors bien sûr le blocage des raffineries qui ne vient que
de commencer, dont on attend peut-être d'autres effets. Il y a vraiment de quoi mettre la France à l'arrêt. Donc le gouvernement, enfin, j'imagine, hein, devrait s'inquiéter. Mais il y a quand même un chiffre dans les sondages qui peut le rassurer. Enfin, je ne sais pas, lui donner de l'espoir. Bon, le chiffre des sondages, on cite toujours celui-ci. Voilà, 2/3 des Français sont contre la réforme des retraites. Mais il y a un autre chiffre dans le même sondage. Hein, c'est Harris Interactive qui nous dit, en fait, il a encore plus qui pense que, finalement, la réforme va être adoptée par le Parlement. Donc, peut-être résignation. Que le gouvernement se dit que la résignation l'emporterait finalement sur la colère. En tout cas, c'est que ce qui est sûr, c'est que le gouvernement, on l'a appris, veut faire voter au plus vite cette réforme dès la semaine prochaine. Vous allez nous donner le calendrier tout à l'heure et on se dit, dès lors que la réforme est adoptée au Parlement, est-ce que la CFDT, qui n'est pas un syndicat révolutionnaire, irait contre une mesure votée par la représentation nationale ? Je ne sais pas, les 10 jours à venir vont donc être décisifs dans ce bras de fer syndicat-parlement. L'intersyndicale se réunit en ce moment, donc ils vont décider, reconductible, des mobilisations, on ne sait pas encore exactement, mais en tout cas, les plus motivés pour durcir les mouvements, c'est la CGT. On écoute Philippe Martinez, pardon. Ça fait un petit moment que la CGT le dit, qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Après 5 journées de mobilisation très importante, comme il n'y a pas de réponse du gouvernement, bah aujourd'hui, c'est une nouvelle étape avec la plus grosse mobilisation depuis le début et puis des grèves qui vont se généraliser dans beaucoup d'endroits. Donc vous venez de le souffler, la CGT dit 3,5 millions de manifestants pardon, aujourd'hui en France. Ce qu'annonce la CGT, mais ce qu'on sent bien venir, c'est qu'il va y avoir un durcissement du mouvement. Est-ce que CFDT et CGT vont être sur la même ligne dès lors que le mouvement se durcit ? Est-ce que le gouvernement peut jouer là-dessus ? Alors il y a un proverbe, c'est « diviser pour mieux régner ». Donc je me suis renseigné, c'est un proverbe qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ah, si c'est vieux que ça. Ça fait 25 siècles qu'on dit que diviser pour mieux régner, ça peut être un argument. Peut-être que le gouvernement est au courant, je ne sais pas. Hein, je... Merci beaucoup Stéphane. Alors Antoine Armand, vous qui êtes député qui portez cette réforme, c'est la 6e journée d'action, très suivie, même si on va discuter des grévistes. Comment vous accueillez cette nouvelle opposition dans la rue ? D'abord, je pense qu'il faut quand même saluer le calme dans lequel se sont, en globalité, il y a eu quelques échauffourées, déroulées les manifestations et saluer d'abord les forces de l'ordre qui ont permis cela et surtout la grande qualité de l'encadrement et la possibilité que les manifestations se déroulent dans le calme. C'est le socle de notre démocratie sociale, c'est extraordinaire. Donc vous félicitez les syndicats ce soir ? Non, je n'ai pas à féliciter les syndicats. Je suis juste content de voir qu'en France, les manifestations peuvent se dérouler d'une manière extrêmement sereine et c'est important. C'est eux les organisateurs d'un grand mouvement comme celui-là. Non, mais bien sûr, c'est juste que je n'ai pas à féliciter les syndicats ou à leur donner des bons ou des mauvais points. C'est pas mon rôle. Ensuite, moi, ce que je constate, c'est que aujourd'hui, et probablement dans quelques heures, le Sénat, après l'Assemblée nationale, qui aurait bien aimé le faire, si, j'allais dire, toutes les oppositions avaient fait comme le Parti communiste, c'est-à-dire avaient retiré leurs amendements pour qu'on puisse en arriver aux articles clés. Le Sénat est en train d'examiner les articles clés de ce projet de loi. L'article 7, hein, sur le recul de l'âge à 64 ans. Absolument. Donc, les sénateurs, la représentation nationale, est en train de travailler. Les élus au suffrage universel indirect, après les élus au suffrage universel direct, sont en train de travailler cette loi, de l'examiner, de la modifier. Donc j'entends, oui. Prends en compte la légitimité de la rue, elle est importante, elle est audible, mais la légitimité de la représentation nationale dans une démocratie parlementaire, et j'espère ne pas avoir à le rappeler, elle prime. Elle prime, et donc pour vous, elle est supérieure à la légitimité du droit de grève constitutionnel. Non, le droit de grève, il est totalement... Il y a deux légitimités, totalement encadré, il y en a une qui prime sur l'autre. Non, mais la loi est votée par le Parlement. Alors, elle n'est pas encore votée. Non, mais je veux dire, on verra en général et en particulier ici. Elsa Faucillon, clairement, on sent qu'on est rentré dans une deuxième phase du mouvement. La CGT, clairement, on a entendu Philippe Martinez avec cette expression « passer à la vitesse supérieure », ça veut dire forcément plus de blocage, ça veut dire aussi plus de galère pour les Français. Vous soutenez ça ? D'abord, la galère, c'est d'abord ce que nous propose le gouvernement en travaillant 2 ans de plus. Et je crois que les citoyens de ce pays, les travailleurs de ce pays, l'ont bien compris. Ils le rejettent très massivement. Ça crée une unité très forte hein, dans le pays. Chez toutes les catégories d'actifs, d'ailleurs, il faut voir combien cette réforme est rejetée, que ce soit pour ceux et celles qui ont des métiers très pénibles, mais aussi pour d'autres qui ont des conditions d'emploi parfois plus favorables, qui contestent aussi très majoritairement cette réforme. Oui, je pense qu'on est à un tournant, d'abord par les chiffres extrêmement importants de mobilisation. Oui, ce sont des mobilisations historiques, historiques par le nombre, historiques aussi par tous ces lieux qui se démultiplient de manifestations dans le pays, que ce soit dans les très grandes villes, mais aussi dans la ruralité ou dans des plus petites villes. Chacun
prend en charge son territoire et organise des manifestations. Et c'est extrêmement fort de voir ça. Bon, pour la gagner, cette bataille, il va falloir durcir. Je crois, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, il y a dans la population, certes, des gens qui pensent que ça va être voté au Parlement, mais aussi une majorité qui soutient la mobilisation et une partie de ces soutiens qui ne participent pas encore à la mobilisation. Moi, je leur fais un appel, et je pense que les syndicats vont le faire aussi, participer à cette mobilisation. Nous pouvons la gagner si vous y participez également. La question du blocage et de l'arrêt, elles ne sont qu'un outil, un moyen de se faire entendre de ce gouvernement. Légitime, puisqu'on parle de légitimité. De se faire entendre de ce gouvernement qui, jusqu'alors, multiplie et les mensonges et les provocations, et qui fait normalement et légitimement monter la colère dans ce pays. Donc il y a une solution pour le gouvernement, hein. C'est de renoncer, d'autant que le texte qui est en train d'être voté au Parlement va enlever toute justification à faire la réforme, tant elle va finir par coûter plus cher. Alors, on va y venir dans le détail. On va y venir justement au jour à venir. On comprend bien qu'on rentre dans une période décisive. Je vous propose tout de suite de regarder qui était dans les cortèges. On parle de la jeunesse, on parle du privé aussi, et puis de l'entrée des routiers parmi les grévistes. Je vous redonne la parole juste après. Mais d'abord, cortège parisien, signé Clément Perrault. Sixième journée de mobilisation depuis le début du mouvement. Et dans les cortèges, une impression unanime. Les messages ont beau être répétés de manif en manif, le gouvernement n'est pas à l'écoute. Je pense que c'est du mépris, parce que vous voyez, on est assez nombreux et il n'y a pas vraiment de réponse. On a affaire à vraiment des personnes qui sont droit dans leurs bottes, hein, un gouvernement qui n'écoute pas. Qui n'écoutent toujours pas, mais nous serons toujours là pour crier bien fort. J'ai l'impression de crier dans le désert. C'est terrible. J'espère qu'au bout d'un moment, le gouvernement va prendre conscience qu'en quand il y a autant de gens dans la rue, autant de jours, ça signifie quand même quelque chose. C'est pas les retraites qui nous coûtent cher. Durcir le mouvement, c'est ce que préconisent désormais de nombreux manifestants. Mettre l'économie française à l'arrêt serait le seul moyen d'être enfin entendu. Le gaz, l'EDF, les raffineries, l'éducation... Tout ça, il faut bloquer le pays comme en 95. Historiquement, il n'y a jamais que ça qui a fonctionné. C'est le blocage du pays. Donc oui, ça engendre des difficultés mineures sur le moment, mais c'est nécessaire. Parce que les 15 minutes qu'on perd à attendre dans le métro, c'est 2 ans qu'on gagne derrière. On peut arriver à mettre à genoux l'économie et montrer que cette réforme n'a pas lieu d'être. Le risque que prend le gouvernement s'il ne retire pas sa réforme maintenant, c'est que des actions plus dures se mettent en place. Quel type d'action plus dure ? Moi, j'entends parler de sabotage et très honnêtement, j'ai pas envie qu'on en arrive là. Le ton se durcit, la mobilisation ne faiblit pas. Difficile pour le gouvernement de miser aujourd'hui sur un essoufflement de la contestation. Fabienne Tatteau, votre réaction aux mots qu'on entend des manifestants, hein, mettre le pays à genoux, c'est une expression qui a été utilisée par un syndicaliste de la CGT. Est-ce que la CGT est en train de changer de stratégie ? Est-ce que vous voulez très clairement maintenant faire en sorte de désorganiser le pays ? Bon, d'abord, il faut rappeler qu'on est à la sixième journée de mobilisation, des mobilisations qui, à chaque fois, ont drainé des participants, des manifestants très variés par rapport à ce qu'on a pu rencontrer aussi auparavant. Hein. Beaucoup plus de jeunes, d'ailleurs aujourd'hui, beaucoup plus de jeunes. La présence des femmes qui ont bien compris que cette réforme, pour elles, elles allaient payer cher, notamment elles. Et puis une grande diversité de secteurs. Mais jusqu'à présent, CFDT, CGT parlaient d'une seule voix et la stratégie était claire. C'était, au fond, ne pas trop enquiquiner les Français tout en se faisant entendre. Oui. Avec la volonté d'ailleurs de laisser passer les vacances. Ça, c'est stratégique quand on est syndicaliste et qu'on choisit une date pareille en disant on laisse passer les vacances et on manifeste au retour. Là, on a l'impression que c'est terminé ce temps-là. Est-ce qu'on se trompe en disant ça ? Ce qu'on entend dans les manifestants, ce qu'on entend dire, c'est un gouvernement droit dans ses bottes, j'ai l'impression de prêcher dans un désert. Donc nous, en tant que syndicat et dans notre intersyndicale qui est très soudé, on a exprimé de manière effectivement très responsable notre attente en tant que salarié, en tant que citoyen. Et on est face à un gouvernement qui ne veut absolument pas entendre cette mobilisation et ces demandes-là. Et qui, voilà. Qui ne veut pas renoncer veut pour pas l'instant renoncer à sa réforme. À une réforme. Il y a eu des changements quand même qui ont été présentés. Encore une fois, aucun caractère d'urgence du point de vue financier. Et alors même qu'il y a une véritable urgence sociale concernant les salaires, on est à la veille du 8 mars,
concernant l'égalité salariale et professionnelle, et puis l'urgence climatique dont je trouve qu'on ne parle pas assez et qui est vraiment un moteur aussi de mobilisation pour la jeunesse. Enfin, moi, je le ressens très fortement, ça. Donc, Paris gagné pour les syndicats aujourd'hui, même s'il y a un peu moins de grévistes quand même. Alors, aujourd'hui, on a eu une très, très belle mobilisation. On va peut-être atteindre les 3 millions de manifestants. 3,5, dit déjà Martinez. Alors, chiffre du ministère de l'Intérieur vient de tomber au niveau national, hein, 1,2 million de manifestants. En tout cas, une mobilisation très, très réussie aujourd'hui. En termes de diversité aussi de lieux de manifestation, on recense plus de 300 lieux de manifestation. Moi, j'ai des remontées qui disent que c'est la première fois qu'on manifeste dans ma ville. On a des manifestations de plus en plus fortes. Enfin, vraiment un très beau succès. Oui. Pierre Ferracci, on termine ce tour de table. Quel regard déjà vous portez sur cette nouvelle journée? Quel bilan vous tirez ce soir? Et est-ce que vous pensez que l'unité syndicale qui a été exemplaire, CGT, CFDT jusqu'à présent, peut tenir dans la durée? La journée d'aujourd'hui, c'est un incontestable succès. Ce n'est pas la peine d'ergoter sur les chiffres. Il y a plus de manifestants que la dernière fois, qu'au plus haut de du mouvement. Ministère de l'Intérieur, 1 200 000, c'est à peu près le chiffre de la précédente. J'espère que le ministre Darmanin va être plus précis dans les chiffres qu'il ne l'était dans la crise du Stade de France au moment de la finale de la Ligue des Champions. Moi, j'aimerais qu'on se focalise effectivement, comme vous le proposez, sur l'unité syndicale plutôt que sur les propos parfois un peu excessifs des uns et des autres. On peut prendre aussi ceux d'Olivier Véran, hein, qui faisait un lien entre la France à l'arrêt et puis la catastrophe écologique, sanitaire et alimentaire. Oui, il a corrigé, mais enfin, il a tenu ses propos. Ou Olivier Dussopt, qui trouvait que c'était une réforme de gauche et qu'il n'y avait pas de perdants. Bon, il va falloir démontrer à ceux qui vont travailler un peu plus longtemps qu'ils ne sont pas perdants dans la réforme. Cette unité syndicale, vous la voyez comment ? L'unité syndicale, je pense qu'elle va perdurer, ce qui n'empêche pas des divergences sur les modalités d'action, mais elles existent, Philippe Martinez et Laurent Berger le disaient d'ailleurs il y a quelques jours, l'un et l'autre, elles existent depuis le début. Donc c'est vrai que quand il y a une forme d'immobilisme du côté gouvernemental, on a tendance à réfléchir à des moyens plus radicaux. Mais vous qui connaissez bien les deux centrales, oui, vous pensez qu'elle va perdurer parce que Laurent Berger va céder à la nouvelle stratégie de la CGT et accepter les blocages ? Je pense qu'ils vont tout faire pour la faire perdurer. Après, je ne sais pas si l'un va céder à l'autre, ça ne se pose pas en ces termes-là. Depuis le début du conflit, on dit d'ailleurs que c'est Laurent Berger qui conduit le mouvement parce qu'il est le leader de la première organisation syndicale. Maintenant, on va dire qu'il va céder à Philippe Martinez. C'est une question que je pense que le gouvernement devrait apporter une attention très forte au fait que pour la première fois depuis longtemps, 8 syndicats sont totalement unis sur une revendication qui est très claire, qui porte sur l'âge légal. Et moi, je ne laisserai pas dire qu'il y a urgence sur le plan financier, il y a nécessité de rétablir les équilibres, hein, personne ne le nie, d'ailleurs y compris sur le plan syndical. Il y a simplement d'autres méthodes qui sont proposées que celle qui est avancée par le gouvernement. Et ce qui est un peu dommage, c'est que le débat ne soit pas ouvert depuis le début, toutes les fenêtres sont fermées. Après, je reviendrai sur le fait que cette réforme a été mal préparée. Il y a une vraie crise du travail en France. Moi, je ne laisserai pas dire là aussi que les Français ne veulent plus travailler. Ils veulent travailler autrement. Il y a un problème de sens au travail. Il y a un problème de conditions de travail. Je répète souvent qu'en Finlande, quand ils ont d'ailleurs décalé de 2 ans l'âge de la retraite, ils ont demandé aux partenaires sociaux pendant 5 ans de travailler sur le travail, et notamment sur le travail des seniors, sur la charge de travail, sur le pouvoir d'achat des seniors, sur leur fin de carrière professionnelle. On n'a pas fait ça, on le paye aujourd'hui. Et je crois que quelqu'un disait en avril 2019, au moment du grand débat, que si on déporte l'âge légal sans s'occuper effectivement du taux d'emploi des seniors, on a tout faux. Bon bah, vous avez un peu tout faux. Ce n'est pas simple, Antoine Armand. Hein, vous êtes un peu seul contre tous sur ce plateau. Mais ça représente aussi bien les différents camps politiques. Et on l'a vu dans l'hémicycle. C'est quand même assez unitaire. Hein. Il manque les Républicains. La CGT, le PCF et les syndicalistes. Non. Deux choses. Qu'est-ce que vous répondez à la question de l'impréparation? Sur la méthode et sur le fond. Sur la méthode, ce qu'on vient de nous dire à mots feutrés, les modalités d'action, le besoin d'aller plus loin, c'est en fait un chantage au blocage du pays, comme on le constate dans les raffineries. Des gens qui utilisent leur métier pour bloquer les services publics et l'action quotidienne des Français. Chacun est libre d'apprécier. Moi, j'appelle ça du chantage social. Je voudrais juste qu'on s'arrête, mais juste un instant sur ce mot de chantage social. Je voudrais informer ceux qui nous regardent des mots qui ont été employés, qui font polémique depuis quelques jours. Emmanuel Lépine, de la CGT, son tous à la CGT. Hein. Si la question est de mettre le pays à genoux, l'économie à genoux, la réponse est oui. Sébastien Ménéplier,
CGT Mines, qui promet une semaine noire dans son secteur avec coupures d'électricité ciblées. Qui ont déjà eu lieu. Blocages qui ont déjà eu lieu, des sites stratégiques comme les raffineries de pétrole. Et puis enfin, Olivier Matteux, qui lui a carrément menacé de mettre le feu. Donc pour vous, tout ça est comment dire, quoi, représentatif du bras de fer syndical ? On comprend bien la logique. Il y a une élection présidentielle qui a été perdue, des élections législatives qui ont été perdues, un débat au Parlement, à l'Assemblée nationale qui a été escamoté, et un débat au Sénat qui est en train de tourner au désavantage des opposants à la réforme. Et maintenant, les manifestations ont lieu, on passe à un chantage, au blocage. Et je voudrais quand même dire quelque chose. Qu'on aille aujourd'hui couper l'électricité dans la commune d'Annonay, sous prétexte que le ministre du Travail en a été dans le maire, l'Ardèche. C'est quand même le comble à la fois de la fantaisie pour être sympathique, mais du chantage social pour être réaliste. Donc je crois qu'il faudrait quand même sérieusement qu'à un moment, les organisations syndicales qui ont le mérite d'organiser des manifestations dans le calme se désolidarisent clairement des attaques, des chantages, des blocages. Alors, sur les coupures d'électricité, chez Olivier Dussopt, le ministre du Travail, c'est la CGT là, hein, qui est pointée du doigt. Moi, je pense que le gouvernement, dans sa méthode et dans sa stratégie, pousse les salariés vraiment à l'épuisement. Donc vous soutenez les coupures ? Vous soutenez les coupures, c'est ça que vous nous dites ? Je préfère déjà parler sans être interrompue, s'il vous plaît. Merci. On utilise les moyens qui sont à notre disposition. Et dans un pays, quand on a des salariés qui s'expriment, également par le biais du dialogue social, auquel vous appelez tous de vos voeux, mais qu'on n'entend rien, qu'on ne bouge pas d'un iota et qu'on propose une réforme qui est contraire à l'intérêt des salariés, qui va très majoritairement à l'encontre de l'opinion publique, à un moment donné, il faut savoir écouter, il faut réouvrir le dialogue et se remettre autour d'une table. Vous le refusez absolument. Alors nous, en tant que salariés, on emploie les moyens qui sont à notre disposition, on utilise notre outil de travail et on fait ce qu'on a à faire. Jusqu'à ce que vous soyez en situation d'écoute. Alors, on va essayer de voir s'il y a du grain à moudre ou pas, sur quoi ça pourrait bouger ou pas. Thomas Gobert, votre regard nous intéresse quand même, parce que même si c'est un débat très franco-français, d'autres pays nous regardent. On est dans un énième dialogue de sourds à la française, classique, ou c'est différent cette fois-ci ? Moi, ça me rappelle, d'ailleurs, ça a été rappelé dans le reportage, ça me rappelle beaucoup 1995 dans le discours. Je me sens un peu, effectivement, pas tellement à ma place pour arbitrer, parce que je suis très loin de mes préoccupations, mais ce qui me frappe néanmoins, c'est le contraste entre cette manifestation telle qu'elle est présentée, très bien organisée, et je ne sais pas quel terme utiliser pour blesser personne, mais la cacophonie auquel on a assisté au Parlement, à l'Assemblée nationale. Pour tout dire, c'est triste, vu de l'extérieur, pour le citoyen que je suis. Après, si on cherche à remettre ça dans un cadre plus large, au niveau européen, on constate évidemment un allongement de la durée de la vie, c'est une très bonne chose en soi, et un allongement du temps de travail. Bon, l'exemple, je trouve, que vous prenez de la Finlande est très intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu cet allongement qui a été préparé par un dialogue social, mais fondamentalement, il y a quand même une tendance à la convergence du modèle européen, et je pense qu'il faut essayer de le voir à la fois au niveau entre européens et puis au niveau global. C'est-à-dire qu'au niveau global, ce qui se passe, fondamentalement, c'est un rétrécissement de l'Europe, un vieillissement, et une perte de compétitivité de l'Europe par rapport aux autres grandes zones que sont évidemment l'Asie du Sud-Est, les États-Unis, le tout dans un contexte où l'inflation frappe en premier lieu aujourd'hui les Européens. Et donc je pense qu'il faut remettre ça effectivement dans un cadre plus large. Et puis je finirai en disant effectivement, je pense qu'aussi la réflexion sur le travail est assez absente. C'est-à-dire que, a-t-on bien compris qu'on est dans une économie qui est de plus en plus une économie de services, de moins en moins une économie industrielle. Et ça, c'est très problématique par rapport aux formes de représentation qui accompagnent ces mouvements. Et je pense que tout ça va être très percuté par le choc technologique, l'intelligence artificielle. Donc peut-être aussi essayer de déplacer un peu le débat sur la suite du travail et la manière dont ce travail va évoluer dans les décennies à venir. Alors, Elsa Fossillon, ensuite Antoine Armand, au fond, il aurait fallu mettre cette réforme dans le cadre d'une grande réflexion plus vaste sur le travail par rapport à ces transformations, à la fois dans notre pays, en Europe, mais aussi dans le monde. Et ça, ça a manqué. Je crois que vous êtes d'accord avec ce constat-là, tous ? En tout cas, très clairement, le gouvernement Macron précédent, l'actuel, mais je pourrais citer des gouvernements précédents, ont plutôt fait du mal aux conditions de travail, au sens au travail, dans un système du tout profit, où il faut dégager des marges au détriment de à la fois la rémunération du travail, mais aussi des conditions de travail. Avec les retraites, on est au cœur quand même de la question de ce qu'on fait de la valeur ajoutée. Est-ce qu'elle va vers le capital ? Dans les poches des actionnaires ? Est-ce qu'elle rémunère le travail
combien, qui décide aussi? Est-ce que les salariés ont un pouvoir pour décider? Et les retraites, en fait, ça a un effet un peu, ça cumule toutes ces questions. Donc les gens qui manifestent, ils manifestent à la fois pour la question de la retraite. Ils disent, on ne veut pas travailler 2 ans de plus, mais on ne veut pas travailler 2 ans de plus, en plus dans ces conditions-là, hein, avec des boulots où aujourd'hui, les conditions peuvent être plus ou moins difficiles, mais aussi le sens, alors, l'éthique au travail. Il y a un texte sur le travail qui va arriver, c'est ça trouver. Qui nous surprend, toi, Normand. Il y a un texte de loi qui va arriver dans 2 mois sur le travail, précisément, sur la question des droits familiaux, sur la place du travail dans la société. Pourquoi il arrive après la réforme ? D'abord, je suis quand même obligé de corriger un point. Vous avez collectivement laissé entendre qu'il ne se serait rien passé depuis 5 ans. Je me permets quand même de dire que nous avons le taux de chômage en France le plus bas depuis 20 ans. On était, il y a encore quelques années, vous étiez sur ces plateaux, vous parliez du fléau du chômage de France, de masse en France. On est en train d'en sortir. La première qualité du marché du travail, c'est de ne pas créer du chômage. Donc, on peut quand même s'en réjouir collectivement. Est-ce qu'on porte une vision du travail? Bien sûr, on porte une vision de l'égalité professionnelle quand on met en place l'index égalité hommes-femmes. Il ne marche pas. Pour... Non, il ne marche pas, il mesure, il est fait pour corriger. Non, et sur il y aura les égalités de salaire. Pour... Non, mais... C'est pour ça que vous le remettez en place pour l'index. Alors, on reste sur notre sujet de travail. Je reviens sur le sujet. Et on a réformé l'assurance, on a réformé et on continue à réformer l'assurance chômage, on a réformé notre système d'apprentissage pour que l'insertion sur le marché du travail et que l'ascension sociale soit possible. Donc la vision globale du travail, on la porte et c'est sûrement pas des personnes qui étaient au gouvernement et qui ont contribué à l'explosion du chômage de masse pendant 30 ans, qui vont venir nous donner des leçons sur le travail. Comment vous expliquez que les Français n'arrivent pas à vous comprendre ensuite, là-dessus? Mais parce que, parce qu'on parle du marché du travail. Et vous avez raison, collectivement, de dire qu'on a besoin de donner du sens au travail et d'améliorer les conditions de vie au travail. Et c'est le sens du projet qui sera présenté au printemps prochain. Pierre Ferracci. D'abord, soyez pas trop caricatural, parce que je ne suis pas là en tant que syndicaliste. Non, hein, je... D'accord. Non, mais vous avez dit CGT, Parti communiste et un syndicaliste. Ok. Non, j'ai pas dit. Moi, le travail, je le vis au quotidien, dans les entreprises, dans les collectivités locales et auprès des représentants du personnel, puisque c'est une de nos spécialités. Je pense que vous n'avez pas tout fait bien sur le travail. Moi, j'ai eu un regard très critique sur les ordonnances. Ça m'a valu d'ailleurs un échange assez vif avec le président de la République. Je pense que vous avez développé un modèle à la danoise de flexi-sécurité en oubliant un peu la sécurité pour les salariés. Le dialogue social, il ne s'est pas amélioré dans les 5 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la commission d'évaluation mise en place par Muriel Pénicaud, dirigée par 2 personnes, l'ancien numéro 2 de la CFDT et l'ancien délégué général de l'UMM, Jean-François Pillard. Vous lisez leur texte, vous voyez bien que le dialogue social patine depuis un moment. Et on touche au cœur du sujet. On parlait des pays scandinaves. Moi, je ne suis pas un fou furieux des pays scandinaves. Hein. Il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont moins bien. Il y a 13 pays aujourd'hui en Europe, dont les pays scandinaves, dont l'Allemagne, dont l'Autriche, dont la Pologne, où le tiers des administrateurs des entreprises, dans les conseils d'administration, représentent les salariés ou les organisations syndicales. On aurait pu être le 14e. On a fait une loi Pacte un peu timide qui n'a pas changé grand-chose sur ce plan-là. Alors, bon, sur le dialogue social. Sur le travail, moi, je pense qu'il y a aujourd'hui... Je vais même vous faire un aveu. Les syndicats ne seront pas tout à fait d'accord avec moi là-dessus. Je pense que les 35 heures, telles qu'elles ont été appliquées de façon très égalitaire, ont amené les entreprises à relever massivement la productivité et l'intensification du travail. Et ça a fait beaucoup de dégâts sur le terrain des conditions de travail pour un certain nombre de salariés, notamment dans les TPE et dans les PME. Alors, donc ça là, fait beaucoup de griefs, on ne va pas ouvrir le dossier des 35 heures. Mais qui n'ont pas été traitées avant. Antoine Armand, c'est vrai qu'on a beaucoup dit que les corps intermédiaires n'étaient pas, au fond, la tasse de thé du président de la République et qu'il avait, d'entrée de jeu, au fond, un peu balayé les syndicats. Est-ce qu'il ne le paye pas aujourd'hui ? Moi, je ne vais pas vous parler de thé, je vais vous parler de démocratie sociale. Ça fait 25-30 ans, enfin les personnes qui sont encore plus compétentes que moi sur le sujet pourront le dire, qu'on a un affaiblissement de la démocratie sociale qui se traduit notamment par la participation aux élections professionnelles, qui est quand même un marqueur, une température extrêmement importante. Autant que celle aux élections politiques. Sur les lois... Non mais bien sûr, absolument, mais c'est une crise démocratique plus générale, malheureusement, qu'on vit. La défiance est dans... Non mais qu'on vit. La question, c'est dans tous les domaines, qu'ils soient politiques ou syndicales. Donc je finis simplement. Et sur ce point... On a donné la possibilité à ce qu'il y ait des accords de branche et d'entreprise. C'est un plus pour le marqueur. Je voudrais revenir sur un point que vous avez mentionné parce qu'il me paraît très important. Il y a eu récemment un accord entre les partenaires sociaux sur la participation, sur le partage de la valeur. À mon sens, on peut et on doit aller plus loin. Ce que je trouve particulièrement intéressant et important dans ce que vous avez dit, c'est que, à mon sens, et à nouveau je m'exprime à titre personnel, cette augmentation, enfin cette redistribution par le partage de la valeur, il faut absolument qu'on l'associe à une réflexion sur la gouvernance en entreprise. Parce que ce qu'on
constate dans différents pays, les pays scandinaves ou l'Allemagne, c'est que quand on a une co-gestion, c'est le cas de l'Allemagne, en tout cas, il faut que ça prenne une forme qui correspond à notre culture française, quand on a une plus grande participation au sein de l'entreprise, les intérêts sont davantage alignés. C'est bien compris. Ça, c'est toujours des textes après la retraite. C'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup, un grand volet de travail qui attend. Je vous ramène au texte retraite parce qu'on entre dans une course contre la montre cette semaine. Bonsoir Marco Pommier, vous êtes salle des quatre colonnes à l'Assemblée. Vous allez nous expliquer précisément ce qui va se passer maintenant. On l'a dit, le texte est en discussion au Sénat, l'article 7, le cœur de la réforme est discuté, il devrait être adopté d'ici la fin de semaine et après, il y a plusieurs scénarios possibles au Parlement. Oui, Myriam, après le Sénat où la réforme des retraites a de grandes chances d'être adoptée d'ici dimanche minuit, eh bien la prochaine étape, ce sera mercredi prochain pour la commission mixte paritaire, la fameuse CMP, un huis clos composé de 7 députés et de 7 sénateurs. Ils vont tenter de se mettre d'accord sur un texte commun, une CMP dans laquelle eh bien, les partisans de la réforme sont vraisemblablement majoritaires. En cas d'accord, l'Assemblée nationale et le Sénat devront se prononcer sur ce texte de conciliation. Un vote final prévu jeudi prochain, le 16 mars, à l'Assemblée. Et si le vote n'est pas favorable, alors Marco, que se passe-t-il si les députés aussi et les sénateurs ne trouvent pas d'accord en commission mixte paritaire ? Eh bien Myriam, on sera reparti pour un tour. Hein. L'Assemblée nationale et le Sénat devront recommencer à examiner le texte avec à la toute fin une ultime lecture à l'Assemblée qui aura le dernier mot. Quoi qu'il arrive, tout cela ira très vite, pas plus de 10 jours. Pourquoi ? Eh bien parce que vous le savez, hein, le Parlement a jusqu'au 26 mars pour examiner cette réforme des retraites. À cette date, si le Parlement ne s'est pas prononcé sur le texte, eh bien le gouvernement pourra décider de mettre en œuvre sa réforme par ordonnance. Et puis Myriam, il faut bien avoir en tête que s'il estime nécessaire, le gouvernement peut aussi à tout moment recourir au 49-3 pour faire passer cette réforme des retraites si controversée. Merci beaucoup Marco Pommier, Elsa Fossillon. Comment vous voyez la semaine qui s'ouvre ? Commission mixte paritaire, il devrait y avoir probablement un accord tel qu'on le comprend avec l'opposition au Sénat puisque c'est la droite. Le vote, vous le respecterez si la réforme est adoptée, la députée? D'abord, je redis quand même à ceux et celles qui nous écoutent que le 47.1 est un choix qui n'avait pas lieu d'être. Hein, c'est-à-dire que passer par un texte budgétaire qui, normalement, doit être voté au 31 décembre, mais là, c'est un texte rectificatif. Aucun besoin de passer par ce 47.1, à part la volonté du gouvernement de réduire le débat. Dans l'hémicycle, après cette réunion de CMP, de commission mixte paritaire. Une CMP, moi, je ne fais pas de politique fiction, parce que je remarque quand même que dans un Parlement, il peut se passer beaucoup de choses en simplement quelques heures. Hein, donc, pas de politique fiction. Je vois que la droite sénatoriale, en tout cas, cherche évidemment le deal avec le gouvernement. Il faudra quand même regarder... Je vous le disais tout à l'heure, mais plus on regarde les amendements qui vont être adoptés par le Sénat, et plus ça va renforcer l'idée que c'est un texte qui n'a aucune assise budgétaire. C'est-à-dire les compensations financières, les compensations étaient trop chères, importantes que ce que le gouvernement disait vouloir économiser, on va arriver à la même chose. Donc franchement, c'est une grosse responsabilité pour les sénateurs de droite d'accepter ce deal-là. Eux qui, depuis des années, nous expliquent en cœur avec les libéraux qu'il faut compresser les dépenses publiques et qui, dans le même temps, font des transferts au privé de manière hyper conséquente, je trouve que c'est une sacrée responsabilité. Et c'est un communiste qui met en garde sur les finances publiques devant les 3 millions de personnes qui se mobilisent. Antoine Armand, vous aurez le mot de la fin. Gare aux compensations financières qui viendraient, au fond, grignoter les économies nécessaires. Non mais je suis ravi, je constate qu'enfin les oppositions réalisent qu'il y a dans ce texte des vraies avancées sociales qui certes coûtent de l'argent par rapport à l'économie faite par la réforme, mais qui en coûtent, et c'est précisément parce qu'il y a des compensations. La prochaine fois c'est pas 3 millions, c'est 4 millions. Quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'en parler de la réforme des retraites. Les Républicains est majoritaire dans la commission mixte paritaire, donc il ne doit pas se passer grand chose. Et ben on va évidemment suivre ça de très très près sur la chaîne parlementaire, vous vous en doutez, bien évidemment. Semaine décisive, on verra ce qui se passe dans la rue,
si le pays va être bloqué, si l'opinion ou pas va se retourner. Il reste encore beaucoup à dire. Merci beaucoup d'être venu débattre sur le plateau d'LCP. Vous restez avec moi, Thomas Goba. Dans une dizaine de minutes, les partis pris de nos affranchis. Ce soir, le regard européen de Richard Verdi sur le mouvement social français. L'économie avec Fanny Guinochet, qui va revenir sur le panier anti-inflation annoncé par Bercy. Et puis Bourbon Express, Elsa Mondingava, une histoire de bras d'honneur à l'Assemblée. Vous allez tout nous expliquer. Mais d'abord, on va plonger dans votre livre, Thomas Gomard. Le monde est de plus en plus incertain, de plus en plus inquiétant. On a besoin de votre grille de lecture sur les ambitions inavouées des grandes puissances qui nous entourent. Regardez, c'est dans l'invitation signée Maïté Frémont. Merci, merci, madame. Si on vous invite, Thomas Gomard, c'est pour nous parler des ambitions inavouées des grandes puissances. Titre de votre nouvel essai, 325 pages pour comprendre les stratégies de demain de 9 pays. Enjeux qui, forcément, ont un impact pour la France. Car l'objectif est bien là, repenser nos priorités à long terme, en rompant, dites-vous, avec notre nombrilisme stratégique. On a tendance à regarder le monde uniquement à travers nos problèmes, nos capacités, nos incapacités, alors que je pense que ce qui est intéressant quand on fait des relations internationales, c'est d'essayer d'inverser la perspective et de se poser la première question qui devrait être, au fond, ce que les autres pensent de nous et ce qu'ils font, comment ça délimite ce qu'on peut faire. Thomas Gomard, vous êtes historien, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et vous êtes l'un des meilleurs spécialistes sur la géopolitique. Les rapports entre puissances vous passionnent, thème déjà exploré dans vos précédents ouvrages. À l'aune de la guerre en Ukraine, de la nouvelle donne énergétique et des risques climatiques, vous analysez 9 pays classés en 3 catégories. Les pays à la forte assise continentale, les pays qui exercent leur influence sur l'espace maritime, et enfin ces pays où la religion joue un rôle prédominant. Et à chaque fin de chapitre, vous en tirez des enseignements pour la France, vous donnez des clés pour nous aider à comprendre comment l'histoire a modelé chaque État et influe sur la vision du monde de leurs dirigeants aujourd'hui. Pourquoi Xi Jinping veut-il redessiner l'Eurasie à sa main? Comment l'Allemagne va-t-elle bâtir ses nouvelles relations avec Washington, Pékin ou encore Moscou après la guerre en Ukraine? Comment le refus de la démocratie et de la haine de l'Occident motive-t-il la Russie dans son désir de rétablir un empire éclaté en 1991? La surprise stratégique n'est pas l'agression russe, mais le niveau de résistance des Ukrainiens qui, au fond, nous interroge indirectement par leur cohésion nationale, sur notre propre cohésion nationale. Question qui se pose, à mon sens, pour tous les pays européens et qui est le sujet majeur qui doit nous occuper dans les années à venir. Alors une question ce soir, Thomas Gomard. Que pèse encore la France dans ce nouvel ordre mondial totalement bouleversé? Réponse, Thomas Gomard. Elle pèse ce qu'elle a envie de peser, en fait. C'est-à-dire qu'on a une impression peut-être de réduction. Mais en réalité, quand on regarde les choses en perspective historique, on a aussi des possibilités d'action. Si on compare la France aujourd'hui, par exemple, à la France de 1956 après la crise de Suez, la situation était bien plus difficile. Mm-hmm. Donc je pense qu'il faut relativiser et se dire qu'il faut jouer nos atouts. Il n'y a pas de quoi être si alarmiste que ça. On va y revenir. Alors, votre grille de lecture du monde d'aujourd'hui, je vais m'arrêter principalement sur l'Eurasie. Parce qu'il y a quand même, dans ces pays de la Terre, marqués par cette logique continentale, la Russie et la Chine. Et l'Allemagne. Pourquoi ces trois-là? Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, ce sont les trois totalitarismes du XXe siècle. Et que, de mon point de vue, la Russie et la Chine sont en train de connaître des rechutes en matière de totalitarisme, de manière très différente et avec des degrés, là aussi, très, très différents. Alors que l'Allemagne est devenue, d'une certaine manière, l'exemple démocratique au sein de l'Union européenne. Donc ça, c'est je dirais, un rappel historique depuis le XXe siècle. Et puis ensuite, ce sont trois pays qui ont une culture stratégique très basée sur l'assise continentale. C'est très évidemment lié à leur géographie. Ça ne signifie pas qu'ils se sont détournés de la mer, au contraire, mais dans le cas de l'Allemagne, historiquement, la tentative de construire une marine a mal tourné. Mm-hmm. Dans le cas de la Russie, c'est aussi un sujet, en fait, c'est-à-dire que la Russie n'a jamais réussi à être une,
une puissance navale de premier plan. Et le grand sujet de géopolitique qui nous occupe, c'est l'ambition navale et maritime de la Chine, c'est-à-dire est-ce que la Chine va réussir son, ce qu'on appelle son basculement thalassocratique, c'est-à-dire son rapport à la mer. Et ça, c'est une des grandes questions pour les décennies à venir. Alors, restons un instant sur la Russie, qui mène la guerre en Ukraine déjà depuis des années, mais de façon bien plus dure et bien plus violente en intensité depuis un an tout juste. On a le sentiment que la différence fondamentale, c'est qu'on a compris, enfin, nous, Occidentaux, que c'est aussi une guerre qui nous est menée par Poutine à nous, Occidentaux. Est-ce que c'est nouveau, ça ? Ce discours anti-occidental de Vladimir Poutine, ou c'est que nous, Européens, Occidentaux, démocratie, nous le voyons, nous l'entendons enfin ? Je pense que c'est plutôt la deuxième option, c'est-à-dire qu'en particulier en France et aussi en Allemagne, on a ce que j'appelle dans le livre le problème russe de la France, c'est-à-dire une lecture en partie biaisée de la trajectoire de la Russie, que j'explique notamment par le fait que nous avons eu raison avec la Russie et l'Allemagne contre l'intervention anglo-américaine en 2003. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de mal à accepter la réalité de la menace russe qui a été beaucoup plus précisément décrite par d'autres capitales européennes avant le 24 février 2022. Pourquoi ? C'est une russophilie historique ? Vous avez une dimension de russophilie. Vous avez aussi un élément qui est la lecture que nous faisons de l'héritage du général de Gaulle, c'est-à-dire qu'on reste très focalisé sur 1966 et le retrait du commandement intégré de l'OTAN. On retient principalement ça, alors qu'en réalité, c'est une politique étrangère beaucoup plus complexe et qui est très instrumentalisée par la diplomatie russe. Il suffit de suivre les déclarations à répétition des diplomates russes sur les plateaux de chaînes télévision françaises pour s'en convaincre. Et puis il y a aussi, fondamentalement, quand on parle en France de la Russie, on pense beaucoup aux États-Unis. Et donc le rapport à la Russie est souvent alimenté par un anti-américanisme qui traverse beaucoup de courants politiques. Ce discours anti-occidental, de désoccidentalisation, connaît un très grand succès dans le monde. Discours de Poutine, il résonne en Afrique. Et il fonctionne en Chine. On a du mal à le comprendre. Parce que la Russie faisait partie, au XIXe siècle, de ces pays qui ont coupé de ses droits élémentaires les Chinois. Oui, la Chine était dans les 8 pays qui ont imposé les traités inégaux. Et c'est probablement quelque chose qui est sous-estimé à Moscou, qui n'est pas du tout oublié à Pékin quand on parle avec des... Pas oublié à Pékin. Pas du tout, quand on parle avec des experts chinois. Ce qui est intéressant aussi, c'est de rappeler que la matrice idéologique du Parti communiste chinois est une matrice marxiste-léniniste importée du RSS à l'époque. Et que ce qui a été le plus étudié par mes homologues chinois, les gens qui font le même métier que le mien en Chine, ce sont les conditions d'effondrement de l'URSS. Et ce que les Chinois ont observé, c'est comment le Parti communiste soviétique s'est effondré. Et le 20e congrès du Parti communiste chinois auquel nous avons assisté au mois d'octobre 2022, c'est tout sauf le 20e congrès du Parti communiste chinois, si vous vous en souvenez, en 1956, qui avait ouvert la décennialisation. Au contraire, on est en Chine dans une reprise en main idéologique extrêmement forte. Vous dites que dans ce bloc Chine-Russie, il y a aussi l'Asie centrale et l'Inde. Ça, c'est très important, l'organisation de coopération de Shanghai, que peu connaissent. Pourquoi c'est important ? Et pourquoi l'Inde va, selon vous, avoir un rôle déterminant dans cet affrontement entre l'Occident et les pays qu'on appelle du Sud global, c'est-à-dire ceux qui se réclament d'un anti-Occident au Sud ? Alors l'Inde, c'est le grand sujet géopolitique sur lequel il faut que nous travaillions tous collectivement de manière beaucoup plus sérieuse pour les raisons que vous avez indiquées. C'est-à-dire que l'Inde condamne la Russie, condamne la violation du droit international par la Russie, mais ne sanctionne pas. Condamne l'invasion, mais ne sanctionne pas. Voilà. Et il y a beaucoup de pays qui en fait choisissent ce positionnement. C'est-à-dire que la très grande majorité des pays ont condamné l'agression, mais ne sanctionnent pas pour autant. C'est-à-dire que le recours à la sanction est en train de caractériser au fond ce que Vladimir Poutine appelle l'Occident collectif. Mais ça en fait de quoi ? Des non-alignés, des pro-russes ? Alors ensuite, des pivots. Ensuite, vous avez un rapport très, très conflictuel de manière latente entre l'Inde et la Chine. Je signale au passage que les courbes démographiques se sont croisées. C'est-à-dire qu'on a un pied vieillissant qui est la Chine désormais et un pays qui est encore très dynamique sur le plan démographique, l'Inde, et qui va devenir la troisième économie mondiale à horizon 2030. Bon. Et donc la dynamique aujourd'hui,
elle est beaucoup plus du côté indien, même si évidemment l'avance prise par la Chine est tout à fait considérable. Il y a un autre facteur très important, c'est que l'Inde reste très tributaire de l'approvisionnement militaire de la Russie. Mm-hmm. Et que cet approvisionnement est aujourd'hui remis en question par d'autres fournisseurs, au premier rang desquels figure notamment la France. Et ensuite, vous avez effectivement un discours diplomatique de l'Inde qui consiste à dire, c'est ce qu'ils appellent le multi-alignement, le refus de rentrer dans des alliances militaires contraignantes et de faire un choix en réalité de nationalisme assez classique. Et effectivement, une tentative d'être le porte-parole de ce qu'on appelle désormais ce Sud global, qui est une notion que je trouve assez peu pertinente, parce qu'en réalité, ce Sud global est travaillé par des dissensions extrêmement fortes. Il n'est pas si homogène que ça. Et il n'est pas du tout, à mon avis, aligné et coordonné. L'Eurasie, toujours, est bornée, écrivez-vous, par trois théâtres régionaux où s'exerce une confrontation de puissance qui peut déclencher une déflagration mondiale. On va voir la carte, l'Ukraine, on en a parlé, mais il y a aussi l'Iran, avec la menace nucléaire, et Taïwan. Vous écrivez Taïwan, la zone géopolitique la plus sensible au monde. On l'a compris, ça, nous, Français, vraiment ? Nos décideurs, en tout cas, on peut l'espérer ? Bon, j'espère, oui, une partie de nos décideurs ont compris ça, heureusement. Mais si vous voulez, je crois ce qui est plus difficile à comprendre, à expliquer, ce sont les effets de bord entre ces trois fronts. C'est-à-dire que ce qui se passe avec la guerre d'Ukraine, c'est derrière le degré de convergence sino-russe que l'on anticipe. Ce qui se passe au Moyen-Orient, ce n'est pas simplement l'Iran, c'est l'évolution d'Israël vers une trajectoire qui n'est pas une trajectoire démocratique, et c'est un euphémisme, et également l'effet de bord que ça va avoir, puisqu'au fond, l'Iran se rapproche de la Russie, et les deux pays deviennent très intégrés au système énergétique de la Chine. Et puis, pourquoi Taïwan nous concerne, même si ça nous semble très loin, parce que ça concerne évidemment le positionnement international de la Chine et sa rivalité systémique avec les États-Unis. Oui. Et puis aussi, cette zone-là qui nous semble éloignée, elle est décisive. Regardez aujourd'hui l'importance prise par la Corée du Nord qui fournit des munitions à la Russie pour se battre en Ukraine, ou la Corée du Sud qui va fournir des armes à la Pologne dans son effort de réarmement. Autrement dit, je pense que ce qu'il faut arriver à faire, c'est à relier ces trois théâtres. Oui. Et à comprendre en réalité que nous sommes face, un, à un réarmement massif, et deux, à la guerre dite de haute intensité aujourd'hui en Ukraine. Il faut espérer, pas au Moyen-Orient, mais c'est probable, et être très attentif à ce qui se passe à Taïwan. Oui, encore faut-il que le monde puisse supporter trois terrains de déflagration potentielle. Et le tout dans un moment d'accélération de la contrainte environnementale. Dernière petite question en une poignée de secondes. Enjeu global qui s'enchevêtre aux enjeux politiques dont on a parlé, la crise climatique, c'est très important dans votre livre. Vous allez même jusqu'à parler d'une écologie de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? L'écologie de guerre, si vous voulez, c'est de dire que la grande rupture provoquée par la guerre d'Ukraine, c'est l'arrêt de la relation énergétique entre l'Union européenne et la Russie, qui s'est construite sur plusieurs décennies. C'est très difficile à encaisser pour les Européens, parce que ça génère l'inflation que nous connaissons. C'est un des éléments qui génère l'inflation que nous connaissons. Mais à certains égards, si l'Union européenne parvient à passer ces vagues, et c'est ainsi très important, au fond, elle est bien orientée pour essayer de défossiliser son appareil productif et d'aller beaucoup plus vite vers la décarbonation. Mais donc il faut un petit avantage comparatif à saisir. Alors, il faut l'espérer, mais c'est très difficile parce que c'est très onéreux. Et on le fait avec des Européens qui ne sont pas alignés, en particulier franco-allemands, sur le type de politique énergétique à adopter. C'est passionnant, on aurait pu continuer longtemps. Voilà, on a abordé l'Eurasie, mais vous parlez aussi des États-Unis également. Est-ce qu'on va vers un affrontement des démocraties contre les puissances totalitaires ? Lisez ce livre, Les ambitions inavouées, pour le comprendre, ce que préparent les grandes puissantes du point de vue de nos adversaires, certains diront de nos ennemis, c'est chez Taillandier, merci. Et de nos alliés. Et de nos alliés, absolument. Vous parlez d'autres pays comme le Royaume-Uni notamment, ou les États-Unis. Thomas Gomard, vous restez avec nous. Ça y est, c'est l'heure des affranchis, vous allez voir, ils vont vous faire réagir. Leur parti pris tout de suite, on vous accueille, les affranchis. Bonsoir. Bonsoir à vous deux, Richard Verli. Bonsoir, Myriam. Qui revient de Berlin, ça va vous intéresser, Thomas Gomard, et qui va nous parler, au fond, de la manière dont on est vu outre-Rhin et dont cette grogne sociale est regardée de là-bas. Et puis Fanny, bonsoir. Bonsoir. Des informés de France Info, du Brief Echo le matin sur les ondes, qui revient sur le panier inflation annoncé à Bercy. Mais on va commencer avec une histoire, je suis sûre, elle va vous passionner, de bras d'honneur à l'Assemblée. C'est Bourbon Express, ce soir.
raconté par Elsa Mondingava. Bonsoir Elsa. Oui, bonsoir. Je vais vous parler d'un bras d'honneur. C'est pas au sens figuré, c'est au sens propre. Un bras d'honneur, même deux, fait par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, dans l'hémicycle. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ça s'est passé tout à l'heure. C'était à peu près 17h30. Les députés examinaient une proposition de loi présentée par la présidente du groupe Renaissance pour rendre inéligibles les auteurs de violences conjugales et intrafamiliales. Donc les députés se succèdent à la tribune pour parler. Il y a le garde des Sceaux qui est présent, évidemment. Le président du groupe Les Républicains, Olivier Marleix, va prendre la parole. Puis c'est au tour d'une députée MoDem. À ce moment-là, il y a un peu de brouhaha dans l'hémicycle. On ne comprend pas forcément pourquoi. Et un député va prendre la parole et dire cela. Pendant que notre président de groupe, là aussi, descendait de la tribune, le garde des Sceaux a fait un bras d'honneur. C'est quelque chose d'assez inqualifiable. Et oui, il accuse le garde des Sceaux d'avoir fait un bras d'honneur. Alors, je vous avoue, quand on a entendu ça, nous, à la rédaction, on n'en a pas cru nos oreilles. Sauf que, eh bien, Éric Dupond-Moretti, il se lève et il confirme. Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagnés de paroles à chaque fois, qui sont... Monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement? Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée? Alors oui, je vous demande effectivement de préciser vos propos, parce que si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible. Alors je vous laisse finir vos propos. Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre. J'ai dit madame. Alors finissez vos propos, qu'on comprenne ce que vous dites. J'ai dit madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence, je l'ai dit deux fois. Vous voyez, la présidente de Sens n'en revient pas, ses yeux interloqués et consternés. En fait, le garde des Sceaux, il explique qu'il n'a pas adressé ce geste au président des Républicains, mais qu'en fait, il disait dénoncer qu'il avait fait un bras d'honneur à la présomption d'innocence, parce que Olivier Marleix, dans son argumentaire, il s'était fait un malin plaisir à rappeler un peu les affaires judiciaires qui touchent la majorité, et il avait égratigné le garde des Sceaux. 8 mises en examen, dont celle du secrétaire général de la présidence de la République, excusez du peu, et pardon, monsieur le garde, celle du garde des Sceaux, accusé l'un et l'autre de prise illégale d'intérêt. Voilà, donc oui. Pourquoi le garde des Sceaux cela, voilà, a décidé de faire des bras d'honneur. Alors évidemment, la séance a été suspendue et à la reprise, eh bien, le garde des Sceaux il a repris la parole et dans un premier temps, il s'est justifié. Hein, son geste, je vous l'ai dit, n'était pas dirigé contre le député Marleix, mais c'était justement pour critiquer cette attaque à la présomption d'innocence. Alors des excuses, des justifications qui n'étaient absolument pas des excuses, qui n'ont pas du tout convenu au président des Républicains, qui en a demandé des excuses et en bonne et due forme. Je pense que faire un bras d'honneur pour un membre du gouvernement, deux selon votre aveu, de la part d'un membre du gouvernement à un membre de la représentation nationale me paraît extrêmement peu exemplaire. Je pense que votre attitude, monsieur le garde des Sceaux, je comprends que vous avez pu fréquenter beaucoup de voyous dans votre carrière professionnelle. Et je comprends que ça ait pu à un moment déteindre un peu sur votre comportement, mais c'est plus qu'inapproprié et ça exige des excuses, non pas pour moi, mais à l'égard de la représentation nationale. Oui, d'ailleurs, il n'est pas le seul. Hein. Toutes les oppositions demandent des excuses au ministre, c'est ça ? Ah bah oui, ils s'en sont pas privés. Mathilde Panot, par exemple, la chef de file des Insoumis, d'habitude, elle est plutôt du côté de ceux à qui on demande de s'excuser, donc elle ne s'est pas privée de faire la leçon au gouvernement. Je dois dire que c'est quand même particulièrement savoureux de voir que vous refusez le minimum, c'est-à-dire de vous excuser auprès de M. Marleix et de la représentation nationale pour ceux-même qui nous donnent constamment des leçons de maintien et qui nous expliquent sans cesse qu'ils sont les arbitres des élégances et qui ne sont pas capables de s'excuser lorsqu'ils font de tels gestes. Nouvelle suspension de séance et au retour, eh bien, il y a un changement de stratégie de l'ex-avocat. Écoutez. Je le dis à toute la représentation nationale, profondément affectée par ce moment que je suis amené à vivre. Je redis ici, avec beaucoup de force, que je n'ai pas voulu viser le président Marleix. Mais si mon geste a été mal interprété, je lui présente mes excuses ainsi qu'à toute la représentation nationale. Bon, est-ce que les débats ont pu reprendre après ?
Alors, ils ont repris, mais on vient de l'apprendre, la proposition de loi a été rejetée. C'est une grande surprise, parce que dans la majorité, au groupe Renaissance, même si on savait que notamment le Modem Horizon n'était pas très allant et qu'il y avait beaucoup de critiques, on pensait très certainement que cette proposition de loi allait être adoptée. C'est donc un revers politique pour la majorité. C'est aussi très compliqué. On peut dire que le garde des Sceaux, il n'aurait jamais dû dire ça, surtout contre Olivier Marleix. Vous savez, c'est celui qui, avec ses députés LR, il détient la clé de la réforme des retraites. Oui. C'est peut-être pas le moment d'énerver tout le monde. Tout le monde se tient un peu. Merci beaucoup, Elsa. On enchaîne. Et rapidement, s'il vous plaît, Richard. Vous revenez de Berlin et à votre grande surprise, vous avez trouvé des Allemands indulgents avec notre climat social. Oui, alors je ne sais pas si on va leur montrer ces images aux Allemands, parce que ça pourrait les faire réagir. Effectivement, j'étais à Berlin la semaine dernière et je m'attendais à recevoir à la figure une volée de chiffres et de contraintes économiques. Or, ce n'a pas été le cas. Les responsables politiques et les observateurs que j'ai rencontrés, eh bien, ils ne mangent pas de ce pain-là. Aujourd'hui, ils sont indulgents pour la France, qu'ils estiment être toujours leur indispensable partenaire. Alors, ils savent que ce n'est pas facile. Vous vous souvenez, Myriam, on en avait parlé sur ce plateau, oui, au moment de l'anniversaire du traité franco-allemand, mais pas question outre-Rhin de sermonner Paris, de sermonner les Français. L'heure est plutôt à l'attentisme, au pragmatisme, au volontarisme. La France, ils le savent, a besoin de crise pour avancer. Alles gut, c'est comme ça, on est habitué. Alors j'ai quand même reposé les questions qui fâchent sur l'Ukraine, sur la Russie, sur le déficit public, sur la dette qui font partie de l'équation, en tout cas c'est ce que je croyais, de la réforme des retraites. Alors j'ai mieux compris cette indulgence allemande, parce que les Allemands, ils ont des remords en ce moment. D'abord, ils dépensent beaucoup à leur échelle. Ils dépensent aussi maintenant pour la modernisation de leur armée, ce qui leur fait comprendre que la défense, ça coûte cher et qu'ils s'en étaient longtemps abstenus. Et puis, ils regardent vers la Pologne, ils n'arrêtent pas de dire que la France doit comprendre que la Pologne est un nouveau géant, oui, européen, mais ils n'ont pas tout à fait confiance dans les Polonais, et donc ils préfèrent pour l'instant plutôt ménager les Français. Donc ça ressemble à un vieux couple habitué l'un à l'autre, finalement. Effectivement, mais à une différence, c'est que les Allemands, aujourd'hui, ils ont un système politique qui n'est pas dysfonctionnel. Alors, le chancelier Scholz, il a une coalition compliquée, on le sait, il a un parti social-démocrate qui n'est pas facile à gérer parce qu'il est plutôt pacifiste, mais les Allemands, ils l'ont pris, le tournant de ce qu'on appelle la Zeitenwende, le changement d'époque. Donc le risque pour Paris n'est pas tellement de voir Berlin dire non, mais simplement de voir l'Allemagne s'éloigner, prendre les tournants plus vite que la France. Il n'y a pas un affrontement de modèles ou une concurrence de solutions entre la France et l'Allemagne, il y a une course de vitesse pour s'adapter à la nouvelle donne européenne et mondiale. Alors je sais qu'en France, certains répondront sans doute en citant La Fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et voilà qui résonne avec votre livre. On n'a pas le temps de vous faire réagir, mais je renvoie à votre livre parce que cette question du couple franco-allemand est évoquée. Fanny, hausse des prix oblige. On attendait depuis des semaines maintenant ce fameux panier alimentaire, panier inflation promis par le gouvernement. Alors en fait, ce seront plusieurs paniers qui, pour la plupart, existaient déjà. Et oui, en fait, il ne va pas y avoir de grands changements et les consommateurs risquent d'être déçus. L'idée de ce panier anti-inflation, c'était de sélectionner un certain nombre de produits essentiels pour une famille, pour éviter que des ménages modestes, avec enfants notamment, soient privés d'un certain nombre de denrées de première nécessité, et donc de maintenir ces prix, les prix de ces produits à prix coûtant, au plus bas possible. Bon, en réalité, chaque enseigne avait fait son panier inflation, ou en tout cas sa liste de produits à prix coûtant, bien avant que le gouvernement hier nous fasse une grande réunion. Et c'est vrai que Carrefour, Intermarché avaient mis en place ces dispositifs. Mais Michel-Édouard Leclerc, lui, hier, il a dit « je ne vais rien faire, je ne fais pas de panier inflation parce que moi, je lutte tout le temps contre les prix ». Donc, il ne voulait pas participer à l'opération de communication du gouvernement. Mais c'est vraiment de la com', vous pensez ? Un petit peu, parce qu'on a vu Bruno Le Maire entouré hier des dirigeants de ces grandes enseignes et communiquer sur le fait qu'il y avait eu un accord qui avait été trouvé. En réalité, il demande, il fait la pression sur les distributeurs pour qu'ils rognent un petit peu leur marge. Alors c'est louable de la part d'un ministre de l'économie à un moment où l'inflation explose, mais c'est vrai que par rapport à la promesse initiale du gouvernement, un panier universel, unique pour toutes les enseignes qui seraient mis en place, on en est très loin. Et puis il y a un petit souci, c'est qu'en fait dans ces produits, chacun fait bien comme il veut, chaque enseigne a décidé de mettre un certain nombre de produits, ce qu'on appelle les marques distributeurs, c'est-à-dire que c'est ses produits à elle. Et puis il y a un petit
petits soucis que relèvent notamment nos amis de l'UFC Que Choisir, qui disent que ces produits ne sont pas tous, enfin, dans les produits sélectionnés par les enseignes, ils ne sont pas tous de très bonne qualité nutritionnelle. Oui, il y a la question derrière de la qualité des produits. Alors, Bercy avait parlé d'un chèque alimentaire, c'est un peu l'Arlésienne, où on en est là-dessus? Alors, c'est toujours l'Arlésienne, Bercy en parle toujours, nous promet qu'il y en aura, avec des expérimentations dans les départements. Bercy n'est pas très allant sur cette promesse d'Emmanuel Macron, hein, promesse présidentielle, mais elle devrait arriver. Bref, en fait, on voit que ce soit avec le panier anti-inflation ou le chèque alimentation, que c'est très, très difficile aujourd'hui de vouloir, dans une économie de marché, réguler les prix. Oui. Ce qui régule les prix, c'est l'offre, la demande, la concurrence. Et pour l'instant, surtout avec des distributeurs et des producteurs qui sont en ce moment à couteau tiré. Oui, merci beaucoup, Fanny Ligochet. Économie ouverte, là aussi, ça fait écho à votre livre, Les ambitions inavouées. Thomas Gomard, merci d'être venu sur le plateau d'LCP. Deux dates qui viennent de nous parvenir en direct pendant cette émission, 11 mars et 15 mars, pour les nouvelles journées d'action à l'appel de l'intersyndicale. Intersyndicale qui demande à être reçue au plus vite au sommet de l'État par le président de la République. Très belle soirée documentaire. À demain, journée spéciale 8 mars avec Yaël Braun-Pivet dans votre fauteuil, Thomas Gomard, qui sera notre grand témoin, la présidente de l'Assemblée. Très belle soirée à vous.